Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0 avec le vaisseau qui s'est éteint, littéralement. Cool, ok, bon bah écoutez, pourquoi pas. J'ai plusieurs choses à vous dire, donc déjà vous demandez pourquoi on est déjà à l'épisode 16, pourquoi il y a eu l'épisode 15 et pas l'épisode 14, j'imagine. L'épisode 14, je l'ai monté. Après j'ai tourné l'épisode 15, j'ai monté l'épisode 15 tranquillement et je me suis dit que l'épisode 14 en fait n'avait pas de raison d'être sur la chaîne simplement parce qu'en fait il ne représente rien hormis des tours de planète pour essayer de trouver des camps humains. Camps humains qu'on retrouve donc dans les Gentle Stars et tout ça mis à part en fait on n'en trouve aucun et finalement on a perdu du temps dans cet épisode je trouve, c'était une perte de temps. Du coup voilà, je donne mon avis comme ça, parce que voilà, je vous le donne en toute sincérité comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe. Mais pour moi j'ai perdu du temps dessus, du coup j'ai préféré ne pas vous le mettre. Cependant j'avais amélioré ça, je ne sais pas si c'était avec vous. Donc on avait découvert entre guillemets ces trois plans. Ici, quelques plans supplémentaires. Je vous le mettrai peut-être en fin de saison, on verra bien. Et enfin le radiation PP upgrade. Il me semble que c'était tout ce qu'on avait amélioré pour le moment en tout cas. Là nous étions donc en train... Mais il me saoule, il me suit tout le temps. En train de... Bah tout simplement vous allez le pouvoir... Mais merde, mais cassez-vous, bon dieu. Voilà, merci. De chercher sur d'autres planètes d'autres types de... Comment, de crew. Tout simplement, pour l'occasion, là c'était un glitch que je cherchais. Donc je cherche les dry, sur les dry, dry trucs là. De chercher sur autre chose, sur une snow, tiens, risky, 14. Ben voilà, on va aller là-dessus. Comme ça, on fait des nouveautés ensemble, chers amis. On va sur la snow ensemble et on va pouvoir voir si on trouve d'autres, par exemple, d'autres colonies, d'autres n'importe quoi. Là, on a beaucoup de bordel, il va vraiment falloir que je gère mes coffres mieux que ça. Il va vraiment falloir que je commence à mieux gérer mes coffres. On peut rien poser là-dessus maintenant, j'imagine, oui, tout à fait. Là non plus, ça va être compliqué. Déjà ça, si je peux y mettre un petit peu de bordel. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà. Crac, déjà ça. Bon, ça c'est fait. On va descendre sur la planète et on va aller voir donc s'il y a un truc en rapport avec le froid. Parce qu'on est sur une planète de type snow, mais pas sur une étoile de type snow. Est-ce que le froid nous agresse? Non. Non, il ne nous agresse pas. Parfait. Oula! Mais viens par là! Abruti, il va se faire tuer, voilà. Putain, j'avais un humain. J'avais un humain, mais non, il s'est fait tuer. Putain. Ça c'est bien. Hop. On a aussi, chers amis, du coup, 20 matter manipulator module. Je ne sais plus si je l'avais pris avec vous, le niveau 2. Non, j'avais pas pris encore, exact. Ok. Du coup, voilà. Vous avez pu voir dans l'épisode 15 le bâton, le fameux gros bâton. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, d'accord. Il semblait qu'il y avait une touche qui inversait. Ok. Yo, l'ami. Alors, honnêtement, je veux croire que ces mecs finiront par me donner... oh, génial. Finiront par devenir des crew members. Ah merde. Hop, voilà. Pas très efficace celui-là. Hein, t'as déjà entendu le froid? Voilà, c'était une vague de froid. Chose qu'on n'a pas en ce moment. J'ai dit, t'as déjà entendu le froid? C'est débile, mais enfin bon, oui, pourquoi pas. Boum. Boum. Voilà. Ah merde. Hop là. Bon, c'est passé. Ça a été fonctionnel, donc techniquement, je m'accorde à dire que c'était bon. Je vois une chose bizarre et ésotérique en dessous. Une caverne. Des choses congelées. Ok. De l'argent. Bon, des choses bizarres. Oh, du diamant. Aïe. Aïe. Ok, bon, on va résoudre ce problème rapidement. Normalement. Voilà, ça suffit, parfait. 4 diamants supplémentaires, ça c'est parfait. Hop. C'est là que va être tout le dilemme, je présume. Voilà. Bon.
Ah bah vous savez quoi, on va creuser à côté, c'est pas grave. Hop, voilà, c'est fait. Un Floran qui ose venir sur mes terres. Qu'est-ce que tu as à vendre? Du caca. Non, je ne peux pas le tuer. Quelle horreur. Je ne peux pas tuer ce Floran et ça m'embête. Ok, le néo-chakram qui passe par là. Ça, je l'ai déjà, donc je le laisse. Le néo-chakram qu'on a cherché pendant tellement longtemps. Ok, des fois, faut pas chercher trop loin. Hein. Ok, bon, là, y'a rien. Ce qui est tout aussi chiant, d'ailleurs. Hein. Hop. Des espèces de tombes avec un coffre en dessous. Voyons ça, comme dirait Hermione dans le premier Harry Potter. Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Oh putain. Enfin bon. Merde. Pouf. Oh, si ça passe. Bon, ça passe pas. Aïe. Je suis mauvais. C'est bon. C'était du quoi? D'accord, j'ai eu des plantes de fibres, mais j'ai pas eu de fruits. Génial, merci le jeu. Aïe. Oui, j'ai pas vu mes PV, mais regardez, c'est rigolo. Mes PV sont drôlement bas. Ok, allez, un petit peu de régène supplémentaire, s'il te plaît. Oh, du coton et du riz. Voilà, merci. On va plutôt s'essayer à ça, histoire de voir ce que ça donne. Hop. Crac. Rain from above. Je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Hop. C'était une référence, hein. Rain from above. C'est la phrase que dit Farah en anglais. Je me rappelle même plus ce qu'elle dit en VF. À vrai dire. Hop, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Ouais. On sent que c'est une planète risquée quand même, hein. Tellement de choses dangereuses. Hop. Oh non. Hop. Ok. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. On devra scanner toute la zone, oui. Hop. Qu'est-ce que... Il est complètement con, lui. Ou elle. Ok, par contre, elle est complètement solide aussi. Ok. Raté. Oh bah. Le feu, ça brûle, apparemment. Bon. Pff, ça sert à rien d'y aller avec ça. Avec une dague, ça m'étonne tellement pas de toi. Hop. Allez, viens, j'attends. Boum. Ok. Hop. Je vais être obligé de le prendre, c'est ça. Parce que je suis stupide, c'est ça. Ok. Eh bien, écoute, oui, effectivement, je suis stupide. Voilà, c'est dit. Hop, hop, hop. Hop, hop. Je scanne absolument tout. Tant pis. Boum.
Oh là là, il y a du monde. Ben, dégage. Hop. Ah. Aïe. Hop, toi je t'ai eu. Ok. Toi aussi. Dégage. Dégage. Viens me voir. Dégagez. Dégagez. Boum. Alors, vous voulez geler? Aïe. Boum, d'un coup. Bon. On n'a clairement pas les armes les plus efficaces du monde, hein. Soyons honnêtes. Je scanne tout parce que je pense que le scan en fait servira au 3D print plus tard. Voilà pourquoi je scanne tout. Je précise pour ceux qui se posent la question. Alors. Oula. Ok, ça va faire mal là. Pas vous mentir, c'est mal parti. Je vais pas vous mentir, c'est mal parti. Et de une. Et de deux. Merde. J'ai plus de chargeur. Meurs. Non, c'est bon. Bon, finalement, c'est mieux passé que ce que j'imaginais. Hop, régène. Dans les pioles. Je scanne tout. Oui, parce que ce genre d'environnement pourra créer aussi un prisonnier, j'imagine, plus tard. Par contre, ça serait bien que je... récupère tout le bordel qu'il y a là-dedans. Oh. Ah bah, j'avais pas vu que je l'avais, ce truc-là. On va virer peut-être... ceci. Ok. Et peut-être aussi... je dirais ceci. Hop, voilà. Pas besoin de le casser, si on peut le fouiller d'abord, ce serait plus pratique. Ok, bon, y'a rien. Est-ce que je peux avoir ceci et ceci, s'il te plaît, merci. Hop. Et je crois que ceux-là, je les ai... Si, je les ai eu, parfait. Bon, bah écoutez, jusque-là, ça se passe pas trop mal. Hop, cassez-vous. Aïe, aïe. Niveau santé, on n'est pas trop mauvais. Tiens, bouffez ça. Bouffe. Voilà. Un petit peu de santé supplémentaire. Alors oui, tous ces trucs-là, je les ai récupérés du coup en farmant la planète, les planètes de type Gentle, hein. Ça va très très vite. Et du coup, on a accès rapidement à un bon nombre de d'objets de soins, entre guillemets, de basse qualité. Parce que je sais pas trop si bah, y a les nanovra bandages déjà. Ah merde, j'ai plus de batterie. La ferme. Des célébrités. Boum, voilà, ça prendra. Tu m'as cherché, tu as perdu. Hop. Rien. Oh, du titane. Si je me trompe pas. Titane, c'est ça. Ça, c'est toujours intéressant. Je prends les spots parce qu'ils sont sympas. Moi, j'aime bien. Le truc tête de mort, je le prends aussi. Oh là là, vous êtes à peine saoulant, vous. Aïe. Hop. Ah merde, ils sont pas morts. Ah. Et de 1. Hop. Boum. Elle est toute neuve, ok. Et boum. Boum. Je sais plus ce qu'il dit, Reinhardt, quand il frappe des fois. La gloire du combat. Des trucs comme ça, je crois, je sais plus. Ok, bon. Commençons par ça.
Ok. Ça c'est fait. Oh, il me faudra l'ampoule aussi là-haut. S'il te plaît. Merci. Hop. Parce que je suis trop con. Hop, voilà. Des barbelés. Ça c'est pratique les barbelés. On va les mettre à la place de ce coffre. Je scanne tout comme ça en plus quand on aura... Ouais, des gens qui dorment là-haut. Ah, apparemment j'ai pas été discret. Boum! C'est fait. Oh! Ça marche pas sur l'escalier. Bon à savoir. Oh! L'accélération du mouvement, Newton, tout ça. La loi de la gravité. Mais merde! Quelqu'un qui s'est recouché dans le lit de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Une hache à une main. Tout ce qu'il y a de plus moisi. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ok, là-dedans. Voilà. Je coupe tout. Tout, tout. Tout est coupé entre nous. Nous. Putain, faut qu'elle vienne. Elle viendra pas. Par contre, je suis à l'eau de crever là. Hop. Tu l'auras. Hop, parfait. On les aura eu finalement. Niveau ça, on a tout ce qu'il y a. Ça on l'a, d'accord, ok. Là ici aussi, parfait. Bon bah je pense qu'on a une grosse partie de ce, entre guillemets, de ce biome, de ce donjon en tout cas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il y en a une qui goûte. Il y a toujours une qui goûte. Hop, yo l'ami. Ah mais merde. Hop. Boum. Aïe. Hop, voilà le combat de marteau. Sors tant que tu le peux encore, d'accord. Il n'y a pas d'échappatoire. Challenge accepted. Oh. Oh. C'est un lit. Attendez, je crois. Hein. Ah non, on n'a pas de régène. On n'a pas de régène de santé là-dedans. Dommage. Bon, bah, je vais le prendre quand même sur le principe. Parce que du coup, je l'entourerai. Ah bah non, ça marchera pas. Je pensais avoir la... En fait, je pensais faire un truc de double régène avec une zone comme ça. Ou au moins un système comme ça. Et ensuite y rajouter du bacta autour, entre guillemets, de la healing water autour. Moi ce que j'appelle moi le bacta. Hop. Boum. Voilà, ça c'est fait. Get out, je l'ai pas eu. No, you get out. Non, toi sors de là. On va casser tout ça. Ok. Je crois que j'ai pas eu l'arme en question en fait. Parce que je crois que c'est... Non, c'est pas l'arme du coup, c'est bien le meuble. Ok. Je fais ça comme si de rien n'était, mais quand même. Ok, ce serait con de mourir maintenant. Hop. Wouh. Bon, comme je le disais, ce serait con de mourir maintenant. On va faire ça comme ça, ce sera même encore plus simple.
commence à avoir faim, cela dit. Oh merde. Hop. Hop, voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant niveau bouffe, parce qu'il faut quand même qu'on se nourrisse, hein, minimum. Hop, voilà, full régène. Quand on voit tout ce qu'il faut bouffer pour réussir à être full, on se pose des questions des fois. Aïe, hop, c'est bon. Oh, c'est vrai, faut pas que j'enchaîne deux coups. Faut que ça enregistre, hein, faut que ça passe dans le cerveau, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hein. Hop. Boum. Oh mais merde. Il a survécu ce sac. Bonjour. Lui il a pas survécu. Encore un bâtiment. Boum, ça c'est fait. Ce spot là je l'ai déjà eu effectivement. Rambo. Ok. Hop, je le ralentis, en plus, ensuite j'empoisonne. Si c'est pas mesquin. Si c'est pas complètement mesquin. Tout ça on l'a déjà eu, hein. Hop, et on aura donc, enfin ainsi fait le tour plutôt. Bon, bah en soi c'était pas si mal. Je me serais attendu à beaucoup mieux, mais c'était pas si mal. Est-ce que je peux scanner ça? Parfait. Hop. Bon, bon, bon. Mais ils sont pas violents cette planète, hein. Alors je rappelle pour ceux qui ont des doutes qu'on est bien sur une planète de type normalement neige. Mais ouais, ça donne pas vraiment l'impression, hein, je confirme. Hop. Ça ne donne pas vraiment l'impression d'en être sur une. Donc on est à 21 sur 24 pour avoir le niveau 2 de comment de taille de. Entre guillemets de taille de creusage. Oh la chute. Non ça va en fait. Ah bah quoi que non. Ça a dû être douloureux malgré tout. Ah bah de toute façon on le revoit plus donc le pauvre type R. Je l'ai un peu tué à mon avis. Mais bon c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent comme on dit. Ok là c'est détruit. Hop merci de me laisser passer. Bah là justement ah non il y a un avian. Bonjour. Non, c'est nul. Bah, vous pouvez passer dans ma rue vite fait sans faire trop de bruit, merci. Hop, rien. Deuxième fois qu'il y a un truc bizarre. Hop. Hop. Ok. Bon, c'est pas du tout ce que je recherchais à la base, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, de la healing water, génial. Ça va me soigner un petit coup. Pas de coffre au sol. Cette musique, qu'elle a depuis le début du jeu. Viens voir papa. Boum. Hop, un petit coup de soin. Il y a du vent, apparemment. Ah, il y a encore un biome, surtout. Enfin, un donjon, je pense. Ou un village, ça dépend. Dites-moi que c'est pas un des gros. Oh, c'est un des gros. Ah, je le sens pas de le faire, le gros. Hein. Désolé. J'ai pas l'équipement qu'il faut pour ce truc-là. Entre les pièges de poison et tout, non, là, je peux pas. Je pense pas, en tout cas. Je tenterai quand je serai mieux équipé vis-à-vis de ce genre de planète. S'il me faut 5 coups pour taper sur un bonhomme, entre les bestioles et les... Et les avianes, ça vaut pas le coup de prendre ce risque. Je ne veux pas mourir bêtement.
Par contre, j'arrive pas à trouver un humain, quoi. Ok, salut les filles. Apparemment, c'est un peu plus violent la nuit, hein, effectivement. Hop. Ok. Oula. Non. Par là, ce sera mieux, merci. Là, je devrais avoir un coffre. Ok. 22. 23, pardon. Plus qu'un, on aura un nid. Ah non, c'est de la neige et un truc de neige aussi. Ok. Je ne comprenais pas ce que c'était, je me posais des questions. J'avais l'impression de voir un trou. Ah, un autre humain. Et comment tu voudrais pas être mon copain? Parce qu'on m'a dit qu'en fait, ce qu'il faudrait aussi que je fasse, si je veux avoir les mecs que je veux en crew, ce sera tout simplement de faire des maisons avec les thèmes qu'il faut dedans pour récupérer le tenancier avec le colony deed et avec ce tenancier, bah, réussir à avoir le mec que je veux, quoi. Tout simplement. Enfin bon, là, ils sont nombreux, les mecs, hein. Hop, alors. Yo. Je scanne tout ça, hein, t'inquiète pas, je... Ah bah voilà. Merde, j'ai plus assez de bouffe sur moi. Enfin, j'ai trop de bouffe sur moi. Hop. Ok, cool. Oh, j'ai un boost d'énergie, cool. Cool, cool, cool. Donc... Du coup, on en a, vous voyez, 25, ce qui est parfait vu qu'on peut en fait maintenant récupérer. Voilà. Cette amélioration pour le matériel manipulateur qui augmente de 4 par 4, soit la taille d'un humain. Ce qui fait qu'en fait, j'ai plus à creuser deux fois pour passer. Je peux creuser plus qu'une seule fois. Donc voilà. Maintenant, les prochains, on va les mettre, je pense, ici. Et peut-être. Enfin, non, ici, déjà pour commencer. Donc il va en falloir 8. Hein. Hop, on verra. Ah, mais c'est couché. Je cherchais le bonhomme et. Non, non, ça va. Ok, merci. Oh. Une épée à une main, elle fait 7 de dégâts, celle-là fait 4. Bon bah voilà, ça fait pas. Ça fait l'unanimité comme on dit hein. Hop, 90 pixels, toujours sympa. Ici, 3 salves. Ok. Merci. Faudrait vraiment que je réussisse à revenir pour cet homme. Et je récupère un œuf, génial. Faudra que je revienne pour ces mecs. Ah, il faut absolument que je revienne, ils sont tellement nombreux que ça vaut clairement le coup. Ok. Bon à savoir. Faut y penser, chers amis. Oh, génial. Hop. Non, n'attaque pas. Hop. Pas qu'il meure. Faut surtout pas qu'il meure. Faut que j'aille chercher un drapeau sur mon vaisseau et... Dégage. Dégage, je te dis. Oh merde, des marchands. Des bandits. Ok, on allait bien. Oh mais non. Hop. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Tu sais pas viser comme moi dans Overwatch. Et moi je m'entraîne. Hop. Hop. Et hop. Qu'est-ce qu'ils avaient? 60 pixels, oh la vache. Des voleurs de haut vol hein. Ok. Ça veut dire qu'on a toujours pas fait un tour de la planète hein, s'il y a encore des coffres comme ça. Ce qui est en soi plutôt bon hein. J'aimerais juste qu'il fasse un peu plus jour. Puisse voir un peu plus de choses. Merci du coup de main. Non! Ouf, ça va l'ami? Je me demande si on peut en faire des... Est-ce qu'on peut en faire des commandes des crew members? Oh, ce serait tellement génial.
Attends. Toi, je préfère vérifier. Je préfère m'assurer plutôt, on va dire. C'est un peu vide d'un seul coup. Non, c'est bon. Dis-moi que... Oui! Oh, cette planète est magique. Je vais peut-être avoir un glitch en plus. Génial. Génial, génial. Bon, bah, on y va, hein. On va scanner un tas de choses. Ah bah voilà. Un chevalier, peut-être. Un chevalier serait peut-être plus stylé. Yo. Bah il est juste à côté en plus, donc écoute. Voilà. West from here. Ok, si tu veux, on y va. Oula, il est pas loin en fait. Il est vraiment pas loin. À tel point que... Que ça va presque être trop facile. Il est juste là, littéralement. Merci. Hop. On va peut-être avoir un chevalier avec nous, chers amis. Alors je ne sais pas si leur métier d'origine peut avoir un impact sur le... Sur le comment ça s'appelle le comment le métier qu'ils auront dans le crew. Voilà. Tu veux pas devenir mon copain? Ah tu veux 4 bah il est sympa ce mec. Il a toute une vraie quête en fait. Genre je lui récupère alors je lui donne un truc. Il apprend enfin j'imagine qu'en fait il demande où est-ce qu'est son fer. Il apprend qu'il a été volé par un monstre et du coup, il me demande d'aller crafter son fer. C'est sympa, je trouve, comme suite de quête. C'est un peu... Disons... Ça aurait été tellement stylé d'avoir le mec en or. Mais bon. Pas trop en demander non plus. Hop. Ou d'avoir une bonne femme, remarque. Mais bon, j'imagine qu'on va pas trop les différencier ensuite, les... les glitchs femelles et les glitchs... Hop. Ah d'accord, faut que je lui ramène les trucs. Ok, cool. Bah elle est vraiment sympa, cette quête. C'est tout con, mais... Hop, voilà. Tiens, cadeau. Oui! Oui! Job mécanicien, voilà! Voilà! Un robot mécano! Je t'embauche, y'a pas de soucis. Cool! Cool, il nous a offert ceci. Avec dedans du molotov. Pourquoi pas. Bon, bah ça c'est génial. Ça j'adore, chers amis. Ça, vous voyez, ça c'est le genre de bonne nouvelle que j'adore. Donc, ça. Bon, allez, arrête, et je clique dessus. Hop! Ça. Là-dedans, il y a quelque chose. Codex already known. D'accord. Madame, là, non, ça m'intéresse pas. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. Je scanne tout l'endroit. Alors pour l'instant j'ai pas l'intention de prendre de duo de... Ah je veux pas prendre deux mécaniciens glitch par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Ok j'imagine que j'avais tout ce qu'il y avait là-haut. Tiens voilà 4. Oui, je vais te les faire, Tyrone Bars, les voilà. Non, merci. Je veux pas aller m'embêter avec tes problèmes de course.
Je veux bien faire des échanges comme ça, des machins sympas, mais si c'est simplement pour aller faire tes... pour aller marchander à ta place, ça vaut pas le coup pour moi. Ok. Rien. Des haches. Encore un, génial. Hop, in, je prends. Ça, c'est plutôt bon signe, ça, quand je vois que tout est scanné déjà. Hop. Encore, génial. Encore un. Wouh, c'est la fête. Ça nous en fait 6, plus que 2. Et on pourra augmenter donc la force de notre matière manipulateur pour la destruction des objets. Ce qui sera extrêmement pratique à l'avenir. Parce que bon, là, faut pas se voiler la face, on se traîne un petit peu le cul. Hein. C'est con, il était mignon celui-là. Question, est-ce que mon... est-ce qu'il est resté habillé comme il était? Ah merde. Pousse-toi. Hop, c'est bien. Ah, une tenue. Cool. Je prends. ça, je l'avais déjà, je crois. Effectivement. Oh, c'est joli, ça, comme truc. Oh, j'adore ce meuble. Alors là... là, ça, c'est une belle nouveauté. Vraiment très joli. Ok. Un petit peu d'or, une tomate que je ne peux pas prendre. Tomate ou une pomme? Pomme. Une barrique de vin. Hop. Ok. Ici, on a une tech card. Il est bien rempli, ce petit truc, hein. Honnêtement, je suis pas déçu, hein. La plante. Hop. Encore un, voilà. Manque plus qu'un seul petit truc et puis ce sera bon. Hop, avec un peu de bol. Oula, deux violets, non, quand même. Et voilà, le voilà. Ok, bon. Il y en a de plus, même. Ce qui est parfait. Hop, je check it out. Voilà, bon. Ici, donc, on peut du coup améliorer la puissance du matériel manipulateur. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas un changement visuel. Ça aurait été vraiment très intéressant de le voir. Ici, oh, la découette. Excellent. Excellent, excellent. J'aurais pu la faire, ces quatre marques. Ah, j'ai dit que j'en aurais pas des doubles. Ah, je résiste. Je résiste, je résiste, je résiste. Et il me donne des fibres, d'accord, ok. On m'avait dit de parler à Ruffalo et finalement, oui, effectivement, il donne des choses. Donc, de toute façon, il faudra que je fasse ma ferme à un moment ou un autre. Oh, il est joli celui-là. Ah, il me le faudra celui-là, comme ça. C'est une femme en plus. Ici, ce n'est qu'une table. Là, on a quand même deux petits coffres. Crac. Rien non plus. Ok. Bon. Et bah, finalement, ça aura pas été si mal. Falloir que je mette quand même un... ah bah voilà, on était juste à côté de la planète en fait. On était juste à côté du spawn. Ok, bon, falloir que je mette un bookmark cette planète. Donc déjà, on commence par le... d'accord. Ok, cool. Merci. Félicitations, tu as maintenant deux membres d'équipage qualifiés sur le... ce qui t'a qualifié pour le permis de Sparrow. Tu peux maintenant améliorer ton vaisseau. Visite... va voir Penguin Pit à l'autre poste, pardon, avec deux upgrades modules. Ok, d'accord, pas de soucis. Je vais simplement mettre un bookmark. Glitch Village plus Human Cold. On va mettre ça comme ça. Et je vais me comprendre. Ok. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui. Ah, il a changé de tenue, c'est dommage. Mais il pleure. Bon, il est mignon quand même, j'aime bien moi. On va à l'autre poste. Crac, on va améliorer notre vaisseau quand même, merde. Hop. Crac, Penguin Pit, le voilà. Oula, par contre, on va enlever le... voilà, merci. Tiens, vas-y, je t'en prie, prends ça. Je vais améliorer ton vaisseau maintenant. Je suis sûr que tu seras... content de voir le niveau de mes capacités d'amélioration, entre guillemets. Upgrading ship.
Moi, à la base, je voulais avoir des pingouins mécanos. J'y ai pensé. Bon, bah cool. Cool, cool, cool. On remonte. On remonte, on remonte. On va peut-être aller voir ensuite pour les... vite fait, dans les... Ah bah oui, d'accord. Ça change tout. Hop. J'avais complètement zappé que ça allait faire ça, en fait. Je suis en train de réfléchir. Mais qu'est-ce que ça va faire exactement, Marcus? Ah bah oui, ça va faire ça. Ok. Hop. Ok, ce qui veut dire que j'ai beaucoup plus de place maintenant. Autrement dit, je peux mettre plein de trucs. Ok. Oui, c'est pas les trucs qui prennent le moins de place, mais juste que j'ai besoin de coffres, tout simplement. Vous avez pu le voir, j'aime bien garder les choses. Pour l'instant, ce sera pas un vaisseau fonctionnel. Hein. Faudra attendre que j'ai un vaisseau complètement terminé pour pouvoir commencer à aller plus loin dans l'amélioration du vaisseau, enfin dans l'amélioration visuelle du vaisseau plutôt. On va dire ça comme ça. Hop. Donc du coup, je range tout mon bordel. Hop. Ça permettra de continuer à récupérer tout un tas d'objets différents, ce qui sera extrêmement utile. Donc j'aurais peut-être dû par contre récupérer plus de... Enfin, mettre un peu plus de... Comment de frigo, tout ça, pour récupérer un maximum d'objets... de bouffe. Ok, ça c'est bon. On n'a plus que ça. Ça, je peux virer. Bon, on va déjà repartir là-dessus. Non, je peux pas virer. Parce que c'est plein. D'accord. On va partir là-dessus. Ici... C'est quoi? Ah oui, c'est de la swamp. C'est de l'eau des marais, littéralement. Ok. Bon, on va déjà partir là-dessus. Les œufs, vaut mieux que je les mette au frais, je présume. Hop. Voilà. J'ai trop de bouffe, mais bon, c'est pas grave. Ok, et eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne passez pas le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo! Et donc, du coup, on est 3 sur le vaisseau, cool.